L'un ne fonctionne pas sans l'autre. Pascal et Fernanda Steinecker ont scellé leur destin il y a bien des années. Et c'est à quatre mains désormais qu'ils fabriquent des pelets. Petits bouts de bois compressés, issus des forêts alentours. Et c'est là l'originalité de la petite entreprise. Le bois ne provient pas des restes de Syrie. Il est ramassé dans les 500 hectares de forêt communale de Gaïssouz. Pascal intervient après les coupes des bûcherons pour nettoyer les parcelles. Il récupère les bois secs sur pied. Là, on est donc sur du résineux malade, donc complètement sec, donc qui est atteint par les insectes, quoi. Et pour éviter justement également la propagation de ces insectes sur les arbres sains, ben, il vaut mieux le couper. Le couper et le valoriser en pellets. Une affaire qui arrange tout le monde, la commune, l'ONF et l'entreprise qui, à moindre coût mais à grand renfort d'énergie, récolte du résineux de bonne qualité. Après 30 ans d'usine pour l'un, des années au foyer pour l'autre, Pascal et Fernanda ont ensemble changé de vie. Quand il est venu avec cette idée, bon, j'ai pas été sceptique, j'ai suivi tête baissée. Et je me suis dit, ouais, pourquoi pas, ça ou autre chose. Puis le fait d'être dehors, la nature, les arbres. C'était pas du tout votre métier, ça ? Non, pas du tout. Je suis couturière de métier. Ça n'a rien à voir. Strictement rien à voir. Aucun doute, le créneau est bon, les clients au rendez-vous et l'entreprise juste à l'équilibre. Le couple s'accroche à sa belle idée. C'est comme tout métier, c'est un apprentissage, on apprend au départ. Voilà, il n'y a personne qui est vraiment là pour nous expliquer, donc on découvre nous-mêmes, on cherche. Après, c'est beaucoup de soucis, beaucoup d'engueulades avec madame également, quoi, parce qu'on n'est pas toujours d'accord, mais je reconnais, elle a quand même beaucoup de bonnes idées. D'ailleurs, l'entreprise ne produit aucun déchet. Les chutes sont toutes recyclées en litière pour animaux. Pour répondre aux commandes, il a déjà fallu réinvestir. Une nouvelle machine à pellets plus performante sera livrée prochainement.